Moi, à la maison, en général, vous pouvez me voir comme ceci. Donc là, j'ai tout le temps ma gaine et les ensembles Océan Apart parce que je me sens bien dedans. En plus, au niveau des fesses, il y a un effet push-up. Donc vraiment, ça remonte les fesses. Là, il y a comme une grosse ceinture, je ne sais pas si vous voyez, qui permet d'aplatir le ventre. Donc c'est un design californien. Et même au niveau de la brassière, il y a des coques protectrices qu'on ne voit pas forcément, qui sont juste ici. C'est pas rembourré du tout, hein. C'est vraiment pour protéger la poitrine, pour la maintenir. Et surtout, si vous faites des efforts comme par exemple aller courir, faire du sport, la poitrine est maintenue. Donc, un bon maintien au niveau de la poitrine. Et on a aussi le séchage rapide. Donc, ça reste jamais mouillé, même si vous allez au sport, s'il fait chaud, si vous transpirez, il n'y a pas d'odeur. Enfin, c'est hyper agréable. Après, tous leurs modèles, ils sont magnifiques. Vous avez aussi des hoodies. Je vais vous montrer. Il y a aussi les combis qui sont canons, les combis un peu de sport et tout. Pas besoin de les mettre forcément pour aller au sport, hein. Moi, je les mets beaucoup pour rester à la maison parce que je me sens bien dedans, tout simplement. C'est vraiment une marque qui est incroyable. Vous avez plein de nouvelles couleurs pour l'été et tout. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour l'achat de ma tenue, vous allez avoir trois cadeaux. Donc, trois cadeaux au choix. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Vous choisissez trois cadeaux parmi les brassières, les leggings et les hoodies, en sachant qu'il y a les pulls avec les capuches, il y a les gilets, il y a les ensembles, il y a les joggings. Enfin, vous avez vraiment toute la collection pour l'achat d'un minimum de 89 euros. Donc, c'est à peu près l'équivalent de la tenue que je porte juste ici. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est valable pendant 48 heures. Aujourd'hui, on a fait une exception. On a octroyé à Milan des nuggets, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pas les nuggets sans le riz. Donc il s'est un petit peu senti rouler. Voilà, il est juste ici. Il s'est senti un peu roulé parce qu'il s'est dit ok, le McDo sans les frites. Bon, il n'était pas du tout content, n'est-ce pas? Hein? Maman a enlevé les frites. Bah oui, j'ai enlevé les frites. J'ai dit ok pour le McDo, pour les nuggets, mais on mange du riz avec. Du coup, il n'était pas content du tout. Bien sûr, quand je dis riz, c'est un riz avec des légumes et des brocolis et tutti quanti à l'intérieur. Vraiment, c'est pas le riz que vous pouvez croire. Il a fini d'ailleurs. C'est très bien, mon fils. Très, très bien. Tu sais que j'ai pesé tout à l'heure, il fait 19 kilos. Voilà, 20 kilos presque. T'imagines ça? Oui, 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 profite bien. Maman, le commissaire surveille tout ce que tu fais. L'enfant le plus glouton au monde. Non, mon fils, à ma beauté fatale, que tu es le plus beau du monde, avec mon frère, les plus beaux. Voilà. Mon amour de toute ma vie, ça. Tout le monde, la nuit a été un peu compliquée parce qu'on a les deux lits qui sont juste ici. Donc quand il y en a un qui se réveille, l'autre il se réveille. Quand l'autre dort, l'autre se réveille. Enfin bref, je n'arrive pas à parler, vous avez compris. Du coup, on a aussi le cododo qu'on met là. Donc c'est un cododo à roulettes. Donc on l'emmène aussi dans la cuisine. Enfin, on peut transporter un petit peu partout. Reçu des commentaires des personnes qui me disent Nabila, tu partages pas assez des moments avec tes enfants et tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, c'est que il y a des choses où je suis pas très à l'aise de partager clairement parce que à chaque fois que je partage quelque chose, il y a toujours quelque chose à redire. Les gens font des commentaires, donnent des leçons et tout ça, et ça me gave un petit peu. Voilà, je suis très honnête avec vous. Quand c'est sur moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que quand c'est sur mes enfants, forcément, en tant que maman, je suis un peu plus sensible et irritable, on va dire. Donc, en gros, voilà, j'ai pas envie qu'on commente comment je m'en occupe. J'ai pas envie qu'on commente ce que je fais. J'ai envie qu'on me dise, ah oui, tu devrais lui mettre son bras un peu plus comme ci, comme ça. J'ai déjà eu un premier enfant. Je m'en suis très bien sortie. J'ai beaucoup appris et je pense que je m'en sors pas trop mal. Donc, voilà, j'aime pas. Après, chacun est libre, hein. C'est vrai que moi, j'aime pas trop quand on commente la manière dont je m'en occupe. Mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux sur Terre. Et donc, du coup, voilà. Après, j'adore partager des moments, hein. Vous voyez, des fois, je vous mets des petites choses un petit peu comme ça. Mais je réfléchis pas, en fait, quand je me sens bien et que j'ai envie de partager, bah, je vais le faire. Et puis, sinon, bah, voilà, je profite aussi un maximum. Le petit, il est tout petit. Il a 1 mois aujourd'hui. Oh my God!
On est 5. Il a un mois aujourd'hui, les gars. Oh, je vais aller lui acheter un petit cake avec une bougie. C'est trop mignon. Voilà, donc ça fait un mois que j'ai accouché. Waouh, ça passe super vite. Donc voilà, il est encore tout petit. Tout ça pour dire que j'en prends soin. Je le préserve quand même un petit peu. Je vous la montrer très rapidement parce que, ben, voilà, on s'est dit que de toute façon, on allait le montrer. Donc pourquoi le cacher les 3 premiers mois pour le montrer au 5e mois? Enfin, voilà, nous, c'est soit on fait les choses, soit on ne les fait pas. Je respecte chaque personne. Chacun est libre de partager ou pas sa vie, ses enfants. Nous, on sait qu'on allait le partager par la suite, comme on l'a fait avec son frère. Donc, on n'avait pas envie de le cacher les 4 premiers mois pour le montrer au 5e mois. Salut, voici, on vous le présente enfin. On était prêts à le faire. Il y a des parents qui ne sont pas prêts, d'autres qui ne le montrent pas du tout, qui ont raison. Moi, je respecte chacun. Je pense qu'il faut vraiment respecter le ressenti de chacun parce qu'on est tous différents et ceux qui critiquent, c'est vraiment des personnes mauvaises. Mais nous, voilà, on était très à l'aise, donc on avait envie de partager avec vous pour pas avoir à chaque fois à faire attention. Est-ce qu'on le voit sur Snap, sur ta vidéo, cache sa tête et tout. C'est, voilà, c'est encore plus compliqué, je trouve. Donc, on n'avait pas de souci avec ça. Et ne vous inquiétez pas, je partagerai de plus en plus. C'est juste que là, je suis vraiment dans le tournage de Cosmic Love. Donc, le cadre est magique, les Cosmic Lovers sont magiques, il se passe des trucs dingues. Ça va être trop bien. Et voilà, j'ai vraiment envie de fournir du bon travail quand je suis là-bas et donner le meilleur de moi-même et surtout, voilà, de profiter avec tout le monde. Donc, c'est juste génial. Il y a plein de personnes qui me demandent le rôle que je vais avoir dans cette émission. Donc, je vous laisserai vraiment le découvrir. Mais en tout cas, voilà, c'est que du bonheur. Et j'essaye de gérer ma vie de famille, de jeune maman, puisque j'ai quand même un bébé d'un mois, puis un autre de 2 ans et demi. Donc, c'est des tout petits bébés avec le tournage. Et ça, je peux vous dire que c'est sport. Voilà, c'est sport. Mais je voulais le faire puisque ça me plaisait trop le concept. J'avais trop envie de le faire. Et du coup, voilà, je me suis donné ce challenge de me dire... Ok, j'aurais accouché il n'y a pas longtemps, mais je vais y aller. Je ne regrette pas parce que pour rien au monde, j'aurais loupé cette aventure qui est juste géniale. Voilà, donc je vais vous faire aussi un petit point sur une autre routine que j'aimerais vous partager. Donc là, voilà, c'est l'été. Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de perdre du poids. Et j'aime bien vous partager des produits qui fonctionnent et surtout de bonne qualité parce que je vous cache pas que j'en reçois énormément. Le but, c'est de faire un tri et surtout de vous partager ceux que j'ai déjà testés pour avoir du recul et pour pas vous envoyer vers n'importe quoi. Donc là, je vais parler de la marque Wonder Nana que j'adore, qui propose un pack, en fait, Summer Body, où alors il y a plusieurs produits à l'intérieur. Je vais vous les montrer et vous en reparler un petit peu. Wonder Nana, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils sont spécialisés dans la minceur avec des méthodes 100% naturelles et durables. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, il y a 3 produits, en fait, dans cette petite cure. Vous avez, d'une part, la Magic Powder. Donc, ça, vraiment, c'est votre allié. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une poudre qui est 100% naturelle, qui est aussi drainante. Vous allez la mélanger dans un jus de pomme, jus d'ananas, même dans de l'eau, peu importe. Vous allez prendre ça 15 minutes avant de manger. Ça va prendre de la place dans votre estomac et du coup, vous allez être calé. Juste après, vous allez manger, ça va vous permettre de réduire vos quantités. En fait, vous allez manger, mais moins. Donc du coup, vous allez perdre du poids. Et ça, de manière naturelle, grâce à cette poudre qui va simplement prendre de la place dans l'estomac. Voilà, donc ça, vraiment, c'est génial. Ça se prépare très rapidement. C'est très bon. Quand vous allez le boire, ça va être liquide et c'est dans votre estomac que ça va prendre de la place. Je vous montre la prépa juste après. Ensuite, nous avons... Ensuite, vous avez 2 sachets de thé dans ce pack qui sont indispensables. Donc, la cure express comme ceci, qui est une cure de 7 jours qui va permettre d'éliminer les toxines et aussi de perdre du poids. Et vous avez les fameuses queues de cerise. Donc, allez voir sur Internet. Les queues de cerise, c'est vraiment un produit que vous devez avoir. C'est génial. C'est 100% naturel. Ça réduit les ballonnements. C'est anti-rétention d'eau. Merci. Parce que moi, je gonfle et l'été... Enfin, l'été, même l'hiver, je fais de la rétention d'eau, c'est chiant. Donc là, voilà, vous avez les petites queues de cerise, vous les faites bouillir, vous filtrez, c'est prêt en 15-20 minutes, vous laissez infuser. Et ça, vraiment, vous pouvez le consommer tout au long de la journée, même froid, en fait, même dans une bouteille d'eau chaud. Voilà, ça, c'est un allié minceur. Le but, c'est de consommer 3 tasses par jour après les repas, les queues de cerise. Vraiment, allez voir sur Google, hein. C'est génial, c'est super. Ça draine, enfin, c'est vraiment un allié.
Donc là, vous avez les trois produits, hop, qui sont juste ici, bonjour, qui font partie du Summer Body, donc justement, qui vont vous aider à réaliser vos objectifs minceurs pour cet été, à perdre du poids et à surtout vous sentir bien. Ça fait partie d'un pack, le pack Summer Body. Après, libre à vous de prendre les produits à l'unité si vous le souhaitez. Si vous voulez que la Magic Powder ou que les queues de cerise, aucun souci. Je vous donne une très belle réduction juste ici, n'hésitez pas à en profiter. Et en plus de ça, vous avez un gommage à la mangue qui est offert. Donc je vous montre comment je les prépare. Tout simplement, je fais bouillir de l'eau. Ensuite, je prends les queues de cerise. Vous mettez une à trois cuillères. Donc moi, je le fais un petit peu à vue d'œil. Vous laissez bouillir entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on va filtrer et vous pouvez consommer directement. Voilà, donc là, j'ai fait les queues de cerise. J'ai filtré et je vais faire la cure express. Donc c'est le même principe, hein, la cure express de 7 jours qui va permettre vraiment de perdre du poids. Donc vous prenez un petit... Enfin, moi, je le fais à vue d'œil, hein, mais normalement, vous avez juste à lire au dos, c'est une à trois cuillères. Voilà. Donc, vous laissez infuser entre 10 et 15 minutes. Pareil, hein, vous voyez, c'est que des plantes. C'est vraiment 100% naturel. Et ensuite, il y a toutes les petites explications. Vous allez filtrer et consommer. Voilà, vous pouvez prendre dans une tasse ou dans un verre, soit froid, soit chaud, peu importe. Il a disparu, je crois, dans un film. Non, mais là, ça fait un moment, n'empêche. Chérie ? Ah ! Tu sais que je cherchais tes pieds, sous non, mais attends, toi, t'es l'homme de la mer, en fait. Ouais, c'est ça, je suis le c'est grand quoi, bleu. C'est quoi l'histoire ? T'es le grand bleu ? Voilà. Le mec, il a disparu. Tes pieds, je cherchais tes pieds le long de la piscine, je les trouvais pas. Ah ouais ? Ben, écoutez, ça fait plus de... 3 minutes qu'il a disparu. Tu tiens combien de temps sous l'eau ? Rien. Vas-y, montre combien de temps tu tiens. Mais ne meurs pas, hein. Il est parti. C'est normal de traîner au bord de la piscine en brassière de sport et en caleçon de Thomas. Ah ouais, j'ai vraiment chuté, les gars. Je suis vraiment une vraie daronne. Plus rien à faire. Non, mais parce qu'en fait, je me sens confortable dans les caleçons parce que je peux un peu les remonter. Tandis que les bikinis et tout, c'est pas le moment. Je suis pas prête pour ça. Je suis pas encore prête à remettre des bikinis et tout. Là, il me faut ma brassière, il me faut mon caleçon et ma gaine. Mais bon, là, franchement, j'ai été cool, j'ai pas mis ma gaine. C'est pas grave, je m'en fous, y'a personne, voilà. Tant pis, et puis même s'il y a des gens, je m'en fous. Voilà, rien à faire. Et savoir, le meilleur de tout, c'est que j'ai pas un, mais... J'ai deux caleçons. Et ouais, pour le maintien. Ça, c'est la gaine, c'est le maintien. Tu vois, les femmes qui viennent d'accoucher ont besoin d'un... Toutes les personnes qui me demandent quelle gaine je porte, donc c'est Fitiger, juste ici. C'est une gaine à base de polymère qui permet de transpirer tout au long de la journée. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Au début, j'étais au dernier niveau. Là, j'ai pu resserrer un petit peu. Donc elle est ajustable et ça vous permet de transpirer tout au long de la journée pour perdre en centimètres. Après, je la mets aussi parce que ben, je me sens bien quand j'ai ma gaine, tout simplement, parce que ben, j'ai le ventre voilà, qui est pas très tonique, on va dire, mais c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. Mais je me sens bien, j'ai un bon maintien au niveau du dos, ça me permet d'avoir une belle silhouette aussi, et surtout, ça me permet de transpirer en fait tout au long de la journée. Que tu m'aimeras quand je n'aurai plus de gaine. Surtout quand tu n'auras plus de gaine. Ah, mon amour. Bah, je vais l'enlever de suite, alors. Allez, go. What is that? For my girlfriend, for my mother-in-law, for Talia Kata. Okay, so this is a gift for your friends? Yes. From Paris? Yes. What is that exactly? A cake on. This is Eiffel Tower? Yes, I take it on. And which one is for your girlfriend? Oh, the red one? And what's the name of your girlfriend? Talia. Talia? Talia? Elle s'appelle Talia? Talia is born in the Tata. Oh, so you have a girlfriend now? Yes. And can I be your mommy? Mommy. And papa? Papa. Oh, and? Mommy, daddy. And baby? Yeah, baby. Baby brother? Baby brother. What's his name? Leia. Good job. Donc j'ai pris cette paire de chaussures
qui sont super hautes. Tellement belles. Regardez le pied que ça fait, c'est trop beau. Chez Clarosa. Canon. Canon. What are you doing with this book? Give me that. Oh my god. J'ai pris celle-ci, des petites tongs très sympathiques en couleur nude. Ce qui est joli, c'est que celle-ci, je pourrais les porter, que ce soit pour sortir. Comme je ne suis pas prête, on va dire, à mettre des talons pour l'instant, j'ai pris plein de paires de tongs un peu stylées, genre qui sont des tongs, mais pas forcément des tongs, vous voyez ce que je veux dire? Donc des tongs avec lesquels je pourrais sortir le soir pour aller manger et tout. Ensuite, j'ai pris des compensés, je vais vous les montrer, qui sont magnifiques. Je les ai prises en noir et en marron. Celles-ci, les marrons, elles se nouent au niveau de la cheville. Et si vous regardez, le talon, il n'est pas super haut. Donc, ça reste assez raisonnable, même pour la journée. Et j'ai pris un autre modèle de compensés comme ça, en noir, qui sont super belles. Ces modèles que j'ai pris en noir, elles sont magnifiques, celles-ci, même pour le soir et tout. Regardez, au niveau du talon, on est plutôt pas mal. Et là, il y a un bon maintien. Même au niveau de la cheville, elles sont trop belles avec une robe longue, genre un petit short en jean et tout. Elles sont canon, décompensées pour l'été. Après, j'ai énormément de modèles. J'avais celle-ci que j'avais pris en nude, du coup, qui était out of stock. Ensuite, j'ai les noirs qui sont magnifiques. Yes. Trop, trop belles celles-ci. Elles sont encore dispo. Oh, merci mon fils. Fais un bisou. Merci. Une autre fois de modèle ici. One is like flower. It's flower for me? I can put on my bag? Yeah. Thank you, my love. Oh. Il m'a ramené une petite pétale. Du coup, au début, il me dit mommy. Après, il me dit maman quand je réponds pas. Quand je réponds pas à mommy une fois, c'est très rare, il me dit maman. Juste derrière. Du coup, vous avez déjà moins 50 comme c'est les soldes chez Clarosa. Et je vous rajoute un moins 40%. Vous allez voir, il y a toutes les dernières collections pour l'été qui sont magnifiques, que ce soit les talons ou les tongs, les chaussures plates et tout. Il y a vraiment des très beaux modèles. Et ils ont aussi tous les modèles pour enfants qui sont canons. Il y a des petites bottines, il y a des petites baskets et tout.